Alors, le deuxième récit d'aujourd'hui sera pour partager quelque chose que j'avais aussi vu en état modifié de conscience il y a quelque temps et que je souhaite transmettre, qui peut être appelé petit gris ayant besoin d'aide. Puisqu'en fait, une fois en état modifié de conscience, c'est-à-dire corps endormi, mais j'appelle plus ça rêve nocturne, j'appelle plutôt ça état modifié de conscience qui révèle des choses que l'état de veille ordinaire empêche de voir. En fait, dans ce rêve, il y avait eu quelque chose de très particulier. En fait, je m'étais retrouvé à des êtres qui s'étaient déguisés en peuple galactique, apparemment de lumière, et qui faisaient une espèce de salut qu'on appelle le salut d'Orion, qui permet la reconnaissance entre des êtres faisant partie de la Confédération intergalactique, des mondes libres et unifiés. Sauf qu'en fait, l'être qui s'était présenté à moi a fait le geste du salut d'Orion. Sauf qu'en fait, il y avait quelque chose d'étrange dans la vibration de cet être. Comme ici, ça faisait comme une espèce d'automate qui mimait un geste. Le geste était fait, mais la vibration de lumière, d'amour ne suivait pas. Et en fait, dans cet état modifié de confiance, de conscience, j'ai compris ce que ça signifiait. C'est parce qu'en fait, juste derrière, il y avait un petit gris qui s'était caché. Parce qu'en fait, ce qui a été montré dans cet état modifié de conscience, c'est qu'il y avait un groupe de petits gris qui avaient besoin d'aide, qui demandaient de l'aide, parce qu'en fait, leur chef, qui était comme une espèce d'être, d'entité qui fait d'un amas de tentacules, on va dire, c'était assez particulier, était allongé sur une espèce de table d'opération, et en fait, leur chef, cette espèce d'être fait de tentacules, était en train de mourir. N'avait plus d'énergie, n'avait plus de quoi se nourrir. Et en fait, étant donné que c'était le chef de ce groupe de petits gris, donc ils étaient liés. Donc qui dit que le chef n'avait plus d'énergie, commençait à mourir, dit que le groupe de petits gris alentour n'avait plus de quoi subsister, ne savait plus quoi faire. Donc ce groupe de petits gris était en train de chercher d'une façon ou d'une autre, dont par la duperie holographique, on va dire. Ils essayaient de trouver des gens ici qui puissent d'une certaine façon essayer de redonner de l'énergie à leur chef qui était en train de mourir. Non seulement à leur chef, mais aussi à leur vaisseau. Puisque tout était lié, eux, le chef, leur vaisseau, tout cela se nourrissait d'une même énergie. Énergie de ce monde falsifié. Donc, étant donné que dans ce rêve, j'avais réussi à débusquer ces petits gris qui se cachaient, et que j'ai vu quel était le problème au sujet de ce chef en question. Mais comme il n'était pas question dans ce rêve qu'ils se servent, entre guillemets, de moi pour pouvoir leur donner de l'énergie sombre, pour qu'ils puissent, entre guillemets, essayer de ressusciter leur chef, eh bien, je leur ai fait comprendre qu'il n'est pas question que je rentre dans ce jeu de servir à nouveau de nourriture sombre. De là, ils ont compris et ils sont partis. Et en quête d'un autre humain, d'autres humains qui puissent peut-être les aider. Mais la façon dont leur vaisseau s'en est allé dans l'espace, j'ai bien vu qu'il en manquait sérieusement, mais vraiment sérieusement, de l'énergie pour pouvoir continuer à subsister, quoi. Donc voilà, c'était le petit témoignage que je voulais apporter au sujet de ces petits gris qui avaient besoin d'aide. Voilà. Donc voilà, ce sera tout. Merci. Bye bye.